Et quand tu donnes, il chante et il danse. Acclamons le roi des rois. Amen. On peut prendre la place. Je veux que tu dises à ton voisin, tu veux manger encore. Amen. Bien-aimés, nous allons manger encore. Amen. Nous allons manger encore. Qui est mangé comme moi? Amen, que Dieu soit loué. Nous allons parler, nous appelons Pasteur Tipe pour la présentation des deuxièmes radiaires. Nous acclamons pour les voix du roi. Merci. Il n'y a aucune présentation, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui est déjà annoncé, n'est-ce pas? Donc nous avons écouté des messages sur la maturité. Je pense que c'est très important que nous atteignions la maturité spirituelle, afin de vivre réellement la transformation dont le Seigneur veut. Croyez bien, vous savez bien que nous croyons à la démonstration de puissance et de l'Esprit, pour que cette démonstration de l'Esprit de Dieu soit chose réelle dans notre vie, nous devons atteindre une certaine maturité. Et je pense que même le renouvellement dans la vie de certaines personnes dans l'Église de Dieu aujourd'hui, depuis le début de l'année 2019, n'a pas pu atteindre certaines dans leur vie, c'est parce qu'il y avait un blocage du côté maturité. C'est très important. Dieu, c'est un Dieu qui est merveilleux, n'est-ce pas? Ce qu'il n'a pas pu faire parce qu'on a été un blocage dans notre vie, il peut le faire en un laps de temps. Si tu veux tout simplement de prendre la décision qu'on ne regrettera jamais. Et je pense que cette décision, la bien-aimée, sera l'une des conséquences. Aujourd'hui, quand je vois ma fille Atiwa ou Sarah faire le travail de Dieu, je suis dans la joie, n'est-ce pas? Parce que personne ne l'a envoyé de le faire. Elle est mature. Je suis arrivé ce matin, cette nuit à 1h du matin, je l'ai trouvée en train de faire la décoration ici. Personne ne l'a envoyé. Elle a dormi ici, elle a quitté à 5h du matin. Personne ne l'a poussée. C'est parce qu'elle a compris qu'il y a quelque chose. Je dois le faire pour la gloire de mon Dieu. Ça, c'est la maturité. Alléluia. Toi aussi, bien-aimé, tu peux atteindre la maturité. Lorsque tu atteins la maturité, bien-aimé, le mariage est facile. Alléluia. Amen. Le travail est facile. La bénédiction, elle est là. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie, tout est là. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons encore écouter la parole. Nous allons pour ça, on lit encore. Alléluia. La femme, la pnayoka, alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu par
par notre pasteur. Celui qui va parler maintenant, comme je l'ai dit, c'est mon père dans la foi, celui qui m'a engendré dans la vie chrétienne et aussi dans les ministères. Hein? On peut acclamer notre Dieu pour la prochaine fois de ce merci. Merci. Alléluia. Amen. Merci pour les messages sur la maturité. Nous bénissons Dieu. Je pense que je dois changer mon message et continuer avec les messages sur la maturité en d'autres mots. Amen. Et j'étais en train de méditer, de réfléchir sur une chose concernant un pays, probablement c'est en Afrique, où nous avons vu deux plateformes se sont coalisées. Je ne sais pas si je ne connais pas les termes, mais ils ont choisi quelqu'un pour être président dans ces pays-là, un pays en Afrique. Et au début de l'année, nous avions suivi ça. Et nous avions vu que cet homme qui a été proclamé comme président, il a changé de résidence, changé d'adresse, il a changé beaucoup de choses. Et entre les deux plateformes, il y a eu une alliance. Le pasteur Romain venait nous parler ici sur la maturité. La maturité, c'est une question d'alliance entre un homme et Dieu. Si nous nous mettons d'accord et marcher avec le Seigneur, la Bible déclare que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble, ça c'est convenu. La Bible, c'est une histoire d'alliance entre un homme, entre une famille, une nation, entre l'Église et Dieu. Et le pasteur qui m'a demandé de parler sur l'alliance, je vais rapidement parler de l'alliance et j'ose croire, si nous avons alliance avec Jésus, ta résidence doit changer. Parce que nous avons une adresse qui est permanente au ciel. Et si tu fais alliance avec Christ, même tes carnets d'adresse vont changer. J'ose croire que Dieu va apporter des choses si merveilleuses dans ta vie. Et sur ce, nous allons lire dans Luc, au chapitre 1er. Je vais lire des passages Luc 1er. Quand les Français disent le verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Et le deuxième passage, c'est dans Luc 2. À partir du verset 3. Tous allèrent se faire inscrire chacun dans sa ville, Joseph aussi montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfanta son fils né, les manta et le coucha dans cette crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel. Prions. Dieu, notre Père, nous voulons célébrer en ces beaux et grands jours les 10 ans de ministère pastoral
et ton serviteur. Nous voulons aussi à cette occasion, Seigneur notre Dieu, bénir son ministère, bénir Seigneur notre Dieu son Église. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que cette soirée soit réellement une soirée de célébration. Nous bénissons ces instants au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler de quand Dieu s'est souvenu de son alliance. Au chapitre 2, ça nous parle de Joseph, de la maison de David. Nous vous rappelons que Marie n'était pas de la maison de David. Mais à cause de l'alliance entre Joseph et Marie, alors que Christ est venu dans le monde, j'ai dit encore que Marie ne faisait pas partie de la famille de David, descendant de David. Et Dieu a donné une promesse. Il a dit à David que tu ne manqueras jamais de successeur. Au travers de Joseph, qui était fiancé à Marie, que Christ est venu dans le monde. Et je disais que je vais parler de quand Dieu se souvient de l'alliance. Quand Dieu se souvient de son alliance, il y a des choses qui se passent dans nos vies. D'emblée, je veux dire que cette église est une église mature. J'ai dit que cette église est une église mature. Amen. Alléluia. Le pasteur venait parler de sa fille ici. Donc, cause de la maturité, elle fait des choses par elle-même. Cela me rappelle encore un homme que vous connaissez, c'est Renard Bonquet qui vient de nous quitter. Renard Bonquet, quand il est venu en Afrique, pendant 7 ans, il n'avait que 7 membres dans l'église. En 7 ans, 7 membres. Et les gens pensaient que là, c'est une église qui n'est pas bénie. Alors que Dieu avait béni cette église. Quand j'ose croire dans cette église, il y a des Abraham. Amen. Il y a aussi des Joseph. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que cette église, c'est une église mature. Amen. Donc, au travers de toi, il y a des hommes qui vont sortir. Il y a des femmes. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est comme la Bible dit dans Ésaïe, Dieu a appelé Abraham. La Bible dit que Dieu l'a béni et le Seigneur l'a multiplié. Et j'ose croire que le Seigneur va te multiplier. Il y a le temps de la multiplication. Quand Dieu se souvient de son alliance, j'ai dit qu'il se passe beaucoup de choses. Je vais énumérer peut-être 4 ou 5. Rapidement, si nous allons dans Genèse 30, verset 22, la Bible dit ceci. Dieu se souvint de Rachel et Dieu l'exauça. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, les réponses de prière suspendues. Dieu matérialise cela au nom de Jésus. Amen. Tu vois, j'ai dit dans le nom de Jésus et que toutes les prières que tu as faites et que tu attends encore des réponses, je suis venu t'annoncer et que tu vas commencer à vivre l'exaucement de ces prières-là. Et la Bible dit que Dieu l'a exaucé. Et puis le Seigneur l'a rendu fécond. Le temps est arrivé où Dieu veut ouvrir une porte à quelqu'un. Il dit les portes du mariage, les portes des finances, les portes du ministère, les portes dans la vie, du travail, les portes même pour l'obtention des papiers. Donc je suis venu pour tenir quelqu'un. Pour dire que Dieu va ouvrir une porte pour toi. Amen. Et Dieu va le faire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a permis à ce que Rachel soit féconde. Et la Bible continue pour dire que quand Rachel a enfanté, donc il a dit, le Seigneur a enlevé son opprobre. Toutes les choses qui te font honte dans la vie, Dieu peut enlever cela. Amen. Ah, tu ne comprends rien. J'ai dit que le Seigneur va enlever ça. Amen. Alléluia. Amen. Et Rachel, quand elle a enfanté, il a donné le nom de Joseph. Joseph veut dire que Dieu ajoute encore.
et que Dieu ajoute des grâces particulières dans cette église. Amen. J'ai dit que le Seigneur ajoute des grâces particulières dans cette église. Amen. Donc Dieu va ajouter des grâces. Amen. Et Dieu va ajouter des hommes et femmes. Amen. Et Dieu va ajouter des choses que vous n'avez pas encore reçues dans votre vie. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Et deuxième chose que le Seigneur peut faire, cela est dit dans Genèse 19, je pense le verset 29, la Bible dit que Dieu s'est souvenu d'Abraham et Dieu a délivré Lot. Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Je n'ai pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails. Et la Bible dit que Dieu s'est souvenu d'Abraham et il a délivré Lot. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, il délivre même sa famille élargie. La Bible dit quoi, tu seras sauvé, et toi et toute ta famille. Vous connaissez l'histoire, le pasteur venait nous parler ici, sur Moïse. À la naissance de Moïse, la Bible dit que le pharaon avait décidé juste de tuer tous les enfants mâles. Mais Moïse a été épargné. Je dis à quelqu'un, des choses qui détruisent les enfants des autres ne vont pas détruire tes enfants. Amen. Pourquoi tes enfants sont bénis? Et la Bible dit qu'en trois mois, la maman a juste fabriqué une corbeille, aujourd'hui qu'on appelle ça Moïse, mais Moïse. Donc elle a mis le petit bébé et sa fille a amené l'enfant sur le Nil. Vous savez que dans le Nil, il y a des crocodiles. Mais Dieu a épargné. J'étais en train de réfléchir, je me suis dit, ah, trois mois seulement, ce petit s'est retrouvé sur le Nil. Et la fille de Pharaon, c'est par miracle, Dieu l'a touché pour aller se baigner au Nil. Et cette fille arrive au Nil, c'est alors que Moïse aille à crier. Vous savez que dans la vie, il y a un temps pour rester calme, il y a un temps pour crier. Il faut crier au moment, à la saison qu'il faut. Donc n'allez pas juste poser des problèmes aux gens comme ça, parce que Dieu, c'est un Dieu qui va se souvenir de toi. Donc il y a un temps pour rester calme, il y a un temps pour parler. Et nous connaissons l'histoire, cette fille a pris Moïse, elle a amené chez elle. J'étais en train de me dire que à trois mois, 90 jours, donc cet enfant, Moïse venait tirer des eaux. C'est la princesse qui lui a donné ce nom-là. Donc à trois mois seulement, Moïse a trouvé du travail à sa mère. À trois mois seulement. Et Moïse a engagé sa maman. Oh. Alléluia. Ah. Imaginez la maman de Moïse dans le palais de Pharaon en train de chanter les cantiques des Hébreux. De bercer l'enfant. Elle était bien payée. Et tes enfants sont bénis. Amen. J'ai dit que tes enfants sont bénis. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que tes enfants sont bénis. Amen. Parce que Dieu a dit de bénir tes enfants. Amen. Je vais juste vous raconter une histoire. À un moment donné, je n'ai vu pas de papier chez nous. J'avais envie de rentrer au pays. Un jour, j'ai fait un rêve. J'ai vu un pasteur de Mega Church. Alors, c'était pasteur Hachimolo. Je l'ai vu en rêve. Il est venu me chercher pour me dire que Dieu t'a appelé de prêcher l'évangile dans le monde. Mais avant d'aller prêcher l'évangile, je t'amène à l'immigration. Il m'a amené avec sa voiture à l'immigration. Il m'a introduit, il a dit à quelqu'un, dit que donnez-lui son passeport britannique, alors que je n'avais pas de papier. Et le type là m'a remis le papier, je me suis réveillé. Je me suis dit, ah mais ça c'était un rêve. Et quelques jours après, l'école de ma fille est née, donc la directrice m'a appelé pour me dire que, monsieur, est-ce que tu veux rencontrer le premier ministre de l'Écosse? J'ai dit, quoi? Le premier ministre? Oui, le premier ministre va te recevoir demain à 11h. J'ai dit, pourquoi? Ta fille a gagné un concours. Donc, tu seras reçu demain. Et demain à 11h, on s'est retrouvé avec ma fille, avec la directrice, avec les députés
et notre circonscription. Donc nous sommes allés là-bas. Après la réception, j'ai vu des journalistes qui ont venu, ils ont pris des photos. Et l'après-midi, ils ont mis ça dans les journaux. Et quelques jours après, il y a l'immigration qui m'appelle pour me dire que est-ce que je peux donner les preuves de l'intégration, que je suis intégré. Et je me suis rappelé que j'ai des journaux. Donc les journaux avec notre first ministre, j'ai seulement réuni les journaux. J'ai envoyé ça. Et puis après le type m'a appelé avec mon téléphone pour dire que oh monsieur, est-ce que tu peux m'envoyer dans ma boîte postale des photos, ma boîte postale personnelle. Quand Dieu se souvient de toi, il fait utiliser même ton fils, il fait utiliser même ta fille, parce que tes enfants sont bénis. Donc, ton enfant, c'est un canal de bénédiction pour ta vie. Il faut prendre soin des enfants. Alléluia. Et troisième chose, quand Dieu se souvient de son alliance, vient de quelqu'un, c'est là dans Ésaïe 38. Vous connaissez l'histoire du roi Ézéchias. Les prophètes, probablement le premier évangéliste de l'Ancien Testament, Ésaïe, est venu juste annoncer à cet homme que Dieu dit, mets de l'ordre dans ta vie parce que tu vas mourir. Et ce type-là s'est tourné vers le mur en train de prier. Il dit à Dieu, souviens-toi de moi et tout ce que j'ai fait pour toi. La Bible dit qu'avant que Esaïe sorte même de la cour, Dieu lui a dit, rentre, va dire à cet homme ceci. Et il a donné le message. Ce qui était vraiment intéressant avec ça, il a promis de le guérir, mais Dieu a fait reculer les décrets. Donc, maintenant nous sommes 20 heures, c'est 30. Donc, moins 10, c'est combien? C'est combien? 20 moins 10, c'est combien? 10. Donc, Dieu a fait reculer les degrés jusqu'à 10 heures. Hein? C'est pour dire que ta vie n'est pas en retard. Les choses que les gens ont pu obtenir en 10 ans, toi tu peux obtenir en une année. Le temps est arrivé où nous devons parler de surnaturel dans notre vie. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, il y a des surnaturels qui se manifestent. Donc Dieu a restauré cet homme d'une manière miraculeuse. J'ai dit aux gens, des choses que les gens obtiennent en une année, toi tu peux obtenir en un mois. Des choses que les gens peuvent obtenir en un mois, toi tu peux obtenir ça en une semaine. Ce que les gens peuvent obtenir en une semaine, toi tu peux obtenir ça en un jour. Ce que les gens gagnent en un jour, toi tu peux obtenir en une heure. Et que cela se fasse dans ta vie. J'ai dit que cela se fasse dans ta vie. Tu n'es pas en retard par rapport au mariage. Tu n'es pas en retard par rapport à l'établissement. Tu n'es pas en retard dans ta vie. Parce que c'est que les gens pensent que toi tu es en retard. Dieu en un seul jour peut accomplir un miracle dans ta vie. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Et si je parle aux gens qui sont matures, qui marchent avec le Seigneur, qui ont fait alliance avec Dieu. Mais quand vous marchez avec le Seigneur, la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Il est monté pendant 40 jours dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'en descendant, donc son visage est rayonné. Donc si tu as la présence de Dieu et que le Seigneur va te communiquer sa nature, donc nous voulons vraiment être comme Christ, des chrétiens comme Christ. Nous voulons marcher comme Christ. Nous voulons parler comme Christ. Nous voulons faire des choses comme Christ. Et Christ nous a dit que nous allons faire des choses plus grandes par rapport à lui. À cause de ta foi. J'ai dit que vous êtes
une église mature. Dieu voici bien la voisine que nous sommes une église mature. Alléluia. Vous savez, quand tu te souviens de quelqu'un, la même chose, vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob, avec son beau-père qui a changé, il est manipulé, il a changé son salaire dans plus de. Donc, ça, c'est rien. Quelqu'un peut t'utiliser, hein? Chercher à détruire ta vie. Mais quand le Seigneur se souvient de toi, donc Dieu va te restaurer d'une manière miraculeuse, tu vas sortir ton plus fort, plus riche, plus béni que ton patron. Vous ne croyez pas ça? Je veux juste vous rappeler l'histoire de Eric et Naomi. Naomi était devenue pauvre. Attachée, Eric s'est attaché à elle. Mais quand elle s'est retrouvée à Bethléem, cette dame est devenue. Alléluia. Amen. Donc les gens peuvent chercher à détruire ta vie. Mais quand Dieu se souvient de toi, il va changer ton statut. Il va changer ta situation spirituelle, sociale, physique. Il peut changer tout dans ta vie. Un jour, Isaac a décidé d'aller en Égypte. Pendant qu'il y a eu la crise, vous savez que la bénédiction, c'est Dieu en soi est la source de la bénédiction. La bénédiction ne dépend pas de l'endroit. Il a eu crise et Isaac a décidé d'aller en Égypte. Mais Dieu est venu se révéler en lui. En soi, l'alliance est une question de révélation. Dieu s'est révélé en lui. Il a dit que n'allez pas à Guéra, toi reste. Et la Bible dit que c'est moi, à Guéra, qui était dans un terrain désertique, pendant que les autres échouaient, hein, mais cet homme réussissait. Je dis que là où les gens échouent, toi tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu es chrétien mature, parce que tu es attaché avec Dieu. La Bible dit dans le psaume 1er, que si tu marches avec Dieu, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que tu fais va réussir dans ta vie. Et Jésus dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras à toutes choses. C'est-à-dire que si tu marches avec Dieu, quel que soit l'endroit où Dieu t'a placé, tu vas réussir dans ton ministère, tu vas réussir avec tes enfants, tu vas réussir dans la vie, tu vas réussir en toutes choses. C'est une question de temps. Quand on est attaché avec le Seigneur, on comprend comment marcher avec Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, il se passe beaucoup de choses. Les cantiques que nous venons de lire ici, les cantiques, c'est les cantiques des Zacharie. Luc brûle. Zacharie était dépassé en âge. Donc, Dieu n'avait pas permis à ce qu'il puisse avoir un enfant. Sa femme aussi était vraiment âgée. Il était en train de servir Dieu. C'est alors que l'ange du Seigneur est venu le visiter. Après la bénédiction, il a eu à composer par le Saint-Esprit ses cantiques pour dire que donc, Dieu s'est souvenu de son alliance. Si tu as alliance, tu as fait alliance avec le Seigneur. Donc le Seigneur va se souvenir de toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis en train de gérer le temps. Je pense que nous allons parler maintenant, nous allons prier. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur?
peux dire merci à Dieu, non, restez là-bas. Mettez-vous debout, disons merci au Seigneur. On n'a pas forcément besoin de musique, mais peut-être l'équipe aussi, moi, le circuit. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci au Seigneur.